Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de la Sfar TV. Et c'est avec un grand plaisir que je reprends en direct sur le plateau. Ça fait quelques mois que nous ne sommes pas venus sur ce plateau et c'est vraiment un très grand plaisir de vous revoir enfin en direct. Donc ce soir, pour l'actu Sfar, nous avons deux orateurs de qualité. Donc c'est une session d'anesthésie pédiatrique et donc c'est une session de controverse sur la présence des parents à l'induction, oui ou non. Je vous rappelle que vous avez pu répondre à un sondage, savoir si vous aviez l'habitude de réaliser la présence des parents à l'induction lors d'une anesthésie pédiatrique, et la majorité finalement d'entre vous a répondu non. Donc à chacun des orateurs et oratrices ici présents, j'espère que vous allez pouvoir convaincre tous les auditeurs. Donc je vous rappelle que vous pouvez suivre cette controverse sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de la Sfar, et surtout bien sûr poser vos questions sur les différents réseaux sociaux. Nous aurons un grand plaisir à y répondre. Donc première controverse en présentiel, donc présence des parents à l'induction. La première partie, c'est oui, et donc je vous présente Francis Wegmans qui réalise l'anesthésie pédiatrique à Lille. Et la deuxième partie, ce sera Karine Nouette-Gaulin de Bordeaux qui fera la partie non, pas de présence des parents à l'induction. Francis, je te laisse la parole. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette soirée d'avoir choisi ce sujet qui n'est pas fréquemment mis en évidence et de m'avoir invité à le présenter. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer par rapport à ce sujet, mais j'ai une certaine légitimité, je pense, parce que j'ai fait ça pendant plus de 30 ans de façon quotidienne en Belgique. Et donc, je connais, je pense, tous les aléas de cette façon de faire. Alors, je vous propose d'abord de voir, passer en revue, quels sont les objectifs de la présence parentale à l'induction de l'anesthésie, puis essayer de se poser la question, est-ce que ça marche? Et si ça ne marche pas, quelles sont les alternatives? Des aspects très pratico-pratiques et puis des conséquences qu'on découvre au fil du temps avant de conclure. Alors les objectifs, il y a des objectifs pour l'enfant et des objectifs pour les parents. Alors pour l'enfant, au-delà des droits de l'enfant, de la charte des droits de l'enfant, notre but c'est d'éviter la séparation avec les cris que ça implique et d'essayer de diminuer l'anxiété de l'enfant à un moment assez particulier. On espère ainsi améliorer la collaboration à l'induction, qu'elle soit inhalatoire ou intraveineuse, et on espère aussi diminuer le risque de troubles du comportement post-opératoire, qui est, je vous le rappelle, une forme de stress post-traumatique, donc ce n'est pas négligeable. Pour les parents, on essaye de diminuer leur anxiété, parce que ce n'est quand même pas évident de laisser ses enfants aux mains d'autres personnes, d'éviter qu'ils aient un sentiment d'abandonner leur enfant à l'entrée du quartier opératoire. L'avantage aussi, c'est qu'ils savent, ils nous voient, ils savent qui est vraiment en charge de leur enfant. Il y a un besoin de transparence, d'autant plus que c'est souvent un anesthésiste ou une anesthésiste différent de la personne qui les a vus en consultation qui prendra en charge leur enfant. Et souvent, ça augmente le sentiment de satisfaction globale avec les soins reçus à l'hôpital. Est-ce que ça marche ? Eh bien, en fait, il y a peu d'études qui ont été faites. Il y a deux sortes de méta-analyses qui ont été faites, une Cochrane et une autre. Vous voyez, les collectifs d'enfants, finalement, n'étaient pas énormes. Et en gros, même ça nous dit que la présence parentale seule, donc isolée, ne change rien. Mais c'est souvent des faibles collectifs d'enfants. L'anonymat, le double aveugle, est difficile à réaliser parce que, on les voit, les parents. La randomisation est difficile à faire aussi. Et puis, quel est le résultat clinique qui a été recherché ? Est-ce que c'était la collaboration à l'induction ou est-ce que c'était plutôt les troubles du comportement plus tard? Ce n'est pas clair, c'est très difficile. En fait aussi, on se rend compte que les conditions expérimentales, il y a des gens qui filment, il y a des gens qui évaluent, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas ce que nous voyons tous les jours. Donc, les résultats de ces études sont à prendre avec un gros, gros grain de sel. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, la présence d'un parent lors de l'induction, implique qu'il faut accepter de travailler sous le regard des parents. Donc il y a des aspects techniques, il y a aussi des aspects psychologiques. Pour certains, ça peut rendre les choses plus difficiles. Et puis il faut apprendre à se comporter de façon optimale. Et donc c'est peut-être aussi un petit créneau pour certaines séances de simulation. Il faut aussi que le bloc opératoire en général accepte
on fasse en sorte qu'on puisse y accueillir des étrangers. Donc il y a un problème d'hygiène hospitalière. Il faut prévoir des surblouses, des gens pour conduire, reconduire les parents à l'extérieur. Donc il y a tout un aspect logistique. Et il faut aussi veiller à respecter l'intimité des autres patients. Il y a des portes ouvertes, des choses comme ça. Donc il faut faire attention à tout ça pour ne pas avoir d'autres ennuis par après. De plus, la présence d'un parent implique qu'on devra parfois gérer des parents inadéquats. Parce qu'on sait tous qu'un parent anxieux, c'est peu aidant pour son enfant, que c'est malheureusement souvent les parents les plus anxieux qui sont le plus demandeurs de venir. Et donc pour ça, il faut bien informer les parents sur ce qu'on attend d'eux. Donc, et certains, il faut parfois faire une anxiolyse. Il y a même des études qui montrent que l'acupuncture du parent est aidante pour l'induction. Mais alors on arrive à des choses très logistiquement très compliquées. Et en plus, il y a un risque d'interférence avec nos actions. Imaginez, vous faites une induction inhalatoire et d'un coup, la maman se jette sur l'enfant pour le protéger. Ben, ça ne va pas. Donc, il faut donner des règles du jeu. Puis, il y a quelque chose auquel il faut penser aussi, c'est que qu'est-ce qui se passe si le parent fait une syncope, s'il tombe, s'il glisse, est-ce qu'il faut une assurance particulière? Personnellement, je ne me suis jamais posé la question parce qu'il était strictement interdit de faire rentrer les parents au quartier opératoire où je travaillais, mais le directeur ne l'a jamais su. Est-ce qu'on a des alternatives? Mais bien sûr, on peut faire une prémédication pharmacologique. On a l'Atarax, l'Hypnovel ou la Clonidine. Il y a l'autre extrême qui est sans doute l'idéal, c'est l'hypnose. Mais là, il faut une rencontre préalable avec la personne qui va réaliser l'hypnose, faire un lien personnalisé, avoir le personnel formé. Donc tout ça n'est pas simple. On a aussi, heureusement, l'inventivité quotidienne du personnel du bloc opératoire qui utilise son téléphone portable pour distraire l'enfant, et ça va de la Reine des Neiges à Weshden, donc en fonction de l'âge de l'enfant. D'autres alternatives, on peut faire des vidéos ou des visites préopératoires du bloc opératoire ou les marionnettes. Là, c'est de l'information qui doit se dérouler un peu à l'avance. Ce n'est pas le jour même que c'est le mieux. Et par exemple, on sait que pour les tout petits, il vaut mieux que ça se fasse moins de 5 jours avant. Pour les plus grands, plus de 5 jours avant, pour des raisons psychologiques et d'intégration de l'information. On peut avoir des tablettes comme les petits doudous. Là, c'est un outil de distraction, bien sûr. On peut avoir les voitures électriques ou bien maintenant la réalité virtuelle avec un casque. Est-ce que ça marche? Il y a peu d'études qui ont été faites parce que ce sont des choses récentes. Mais par exemple, cette étude a montré quel est l'effet chez des enfants cardiaques opérés pour la première fois d'être transportés en petite voiture électrique en salle d'opération. Vous voyez le groupe qui avait la petite voiture, c'était le groupe C. Vous voyez, tant qu'on ne fait rien à l'enfant, ceux qui sont en voiture sont parfaits. Mais quand il s'agit de faire l'induction au masque, on arrive au même résultat que s'il n'avait pas rentré en petite voiture. Là, c'est une étude hollandaise où ils ont fait la même chose avec la réalité virtuelle. Il y a des enfants qui avaient une préparation habituelle, donc il y avait une préparation habituelle plus un casque de réalité virtuelle. Et donc, ils avaient tous à peu près un âge de 5 ans. Mais vous voyez que dans les 94 qui avaient le casque de réalité virtuelle, il y en a quand même 21 qui l'ont retiré pendant le parcours. Donc pourquoi? Ça les gênait? Ils avaient peur? On ne sait pas. Et donc ça ne marche pas à tous les coups. Et en fait, il n'y avait pas de différence. Alors les auteurs disent, mais nos enfants sont sans doute tellement bien préparés d'habitude qu'on n'a pas vu la différence de la réalité virtuelle. Je n'en sais rien. Mais donc, finalement, ça marche bien pour distraire l'enfant pendant qu'il va de l'entrée du bloc opératoire jusqu'à la salle d'induction, mais après, c'est un petit peu mystérieux. Si on essaye de faire une synthèse de tout ça, on voit qu'en fait, toutes ces choses marchent très bien pour éviter les cris à la séparation. La collaboration à l'induction, c'est déjà un petit peu différent. Il y a toujours des problèmes de logistique ou d'organisation à résoudre. Le coût est variable. Les parents sont en général très satisfaits. Au plus c'est sophistiqué, au plus ils seront satisfaits. Et pour ce qui est des troubles de comportement post-opératoire, on n'a pas beaucoup d'études, on n'a pas beaucoup de recul. Donc, même si on utilise ces moyens, aucun n'est efficace isolément. Et il faut que tout ce qu'on fait, que ce soit la réalité virtuelle, les petites autos ou la présence des parents, ça fait partie d'une stratégie de préparation qui commence lors de la consultation d'anesthésie. Donc il faut informer les parents et avoir leur accord. Et celui de l'enfant aussi. Si vous proposez, par exemple, une présence parentale à un adolescent, il faut lui demander s'il est d'accord. Peut-être qu'il n'a pas envie que sa maman vienne avec lui.
Il faut aussi établir un protocole d'équipe. Ce n'est pas une action individuelle, c'est toute une équipe qui essaye d'avoir une approche centrée sur l'enfant. Et alors, il y a quelque chose qui compte par-dessus tout, c'est les qualités relationnelles pédiatriques du binôme médecin-IAD. Si vous savez parler aux enfants, vous en sortez tout le temps. Si vous avez des difficultés à avoir un bon contact avec les enfants, ce sera toujours difficile. Ça vient avec l'expérience, bien sûr. Mais vous savez tous aussi qu'il y a des enfants pour qui la présence parentale est nécessaire pour l'enfant et pour nous. Ce sont les enfants qui ont des besoins particuliers. C'est les enfants malentendants, les grands polyhandicapés, ceux qui ont une sensibilité particulière, par exemple les autistes, les chroniques, ceux qui viennent tout le temps, qui, il faut quand même essayer de les aider à passer ces épreuves, et ceux qui ont eu des mauvaises expériences antérieures. Alors on peut aller très loin, comme ça, c'était un case report il y a quelques années, vous voyez, c'est un enfant autiste, on avait amené son chien en salle d'opération. C'est l'extrême, c'est pas ça qu'on demande. Mais mon propos ce soir, c'est de vous dire qu'il vaut sans doute préparer l'équipe à proposer la présence d'un parent à tous les enfants pour qu'elle soit à l'aise quand on doit prendre un enfant qui a réellement besoin de la présence de son parent. Alors en pratique, comment on fait ? D'abord, en consultation d'anesthésie, il faut proposer la présence parentale, ne pas l'imposer. Il y a des gens qui ne voudront pas. Et ceux qui ne veulent pas, il faut les déculpabiliser. Leur dire, mais c'est pas grave, de toute façon, l'équipe, on a l'habitude des enfants, ça se passera très bien. Les limites, je pense qu'en dessous de 6 mois, il faut faire comprendre, c'est souvent les mamans qui demandent, qu'en dessous de 6 mois, il n'y aura pas de bénéfice pour l'enfant et que ce sera une énorme charge émotionnelle pour elle. Donc, et leur dire, voilà, on va bien chouchouter les infirmières qui nous aident, ce sont des mamans, ne vous inquiétez pas. L'adolescent, j'en ai déjà parlé, il faut voir si il ou elle est d'accord. Et pour les urgences, c'est un peu au cas par cas. Ça dépend, si vous êtes seul la nuit, ben, c'est peut-être pas le moment de vous encombrer, entre guillemets, d'un parent pour faire une induction en séquence rapide. Il faut informer aussi les parents, quelles sont les précautions à faire, qu'est-ce à prendre. Il y a des mesures d'hygiène qui vont entrer dans un milieu stérile, donc ne pas toucher à tout, ce qui va arriver, la séquence des événements. Et leur dire aussi qu'à un moment, on va leur demander de sortir et qu'à ce moment-là, ils devront sortir sans discuter. Simplement parce qu'à ce moment-là, on doit s'occuper de leur enfant et donc que leur présence pourrait être contre-productive. Simplement comme ça, de dire, voilà, quand on vous demande de sortir, vous donnez un petit bisou et vous vous en allez, quelqu'un va vous accompagner. Et donc à Bruxelles, on avait fait une petite vidéo d'information pour les parents. C'était rien que pour les parents. Et vous voyez, ça durait 3 minutes, c'était aux bornes électroniques dans l'hôpital, et on expliquait qu'on allait mettre des électrodes, qu'on allait mettre des choses, voilà. C'était tout simple, les parents savaient ce qui les attendait. Cette information diminue leur anxiété, donc ils savent ce qui va arriver, ils comprennent ce qui va arriver. Il faut être multilingue, et donc il faut aussi être prêt à le faire en arabe ou en sanskrit. On a tous des gens d'autres nationalités dans nos blocs opératoires. C'est l'occasion de leur demander de traduire la bande sonore et ça les valorise énormément. Alors il faut savoir que la plupart des parents vont pleurer en sortant de la salle d'opération, c'est normal, mais ils sont très contents de l'avoir fait. En pratique, il faut faire participer le parent s'il y a moyen, par exemple mettre les électrodes ou le capteur de saturomètre. Ne pas demander aux parents de faire de la contention, c'est pas son rôle. Si ça se passe pas bien, c'est nous qui devons faire ce qu'il faut. Le parent est là pour aider son enfant. Il faut aussi refuser les menaces parentales. Il arrive de temps en temps que des gens disent « Et si tu respires pas bien dans le masque, le docteur va te faire une piqûre. » Moi, personnellement, quand ça arrive, je dis « Stop ». Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui va arriver. On va faire comme ça. Il y aura de toute façon une perfusion qui sera posée après. Ce n'est pas une punition. Mais il faut pouvoir aussi un peu cadrer les parents parce que ça peut sinon tourner à quelque chose de tout à fait contre-productif. On fait accompagner par l'aide-soignante ou quelqu'un d'autre qui n'est pas indispensable en salle d'opération à ce moment-là, dès la perte de conscience. Et quelque chose d'important aussi, si ça a été difficile, si ça a eu des soucis, ça vaut la peine de retourner en post-opératoire auprès des parents et de l'enfant et de faire une sorte de débriefing avec eux. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi ça n'a pas bien été? Il faut considérer ça comme une expérience de vie, dire... Tu sais, ça va encore arriver dans ta vie que tu dois être endormi. On va essayer de voir comment ça pourrait se faire mieux une autre fois. Et c'est souvent très fort apprécié.
Il faut aussi adopter le comportement adéquat. Et là, c'est peut-être des choses sur lesquelles on doit un peu plus s'apesantir. Il faut choisir les comportements qui favorisent l'adaptation de l'enfant plutôt que ceux qui augmentent son anxiété. Alors, qu'est-ce qui favorise l'adaptation? En gros, c'est tout ce qui est ludique. Donc, c'est le distraire, induire une conversation liée à un autre sujet que ce qui va se passer là. Les amis, les jouets, l'école, les chansons qu'il aime bien. Éventuellement, on peut faire un peu d'humour. Ou on peut aussi réinterpréter le contexte médical en fonction d'autres choses. On va faire un voyage en fusée, en avion, en sous-marin. Ça dépend des goûts de l'enfant, de ce qu'il attire. Il faut éviter ce qui augmente l'anxiété, c'est-à-dire la réassurance. Et c'est ce que nous faisons tous de façon naturelle, parce qu'on croit bien faire. Ça va bien se passer, tout va bien. En fait, quand on dit ça, ils disent « mais ça veut dire que ça pourrait mal se passer ». Donc faites attention, c'est un peu comme l'hypnose, on doit réapprendre à choisir notre vocabulaire. Pas d'excès d'empathie, pas d'excuses. « Excuse-moi, je dois te piquer ». Non, c'est notre boulot. Et éviter aussi de donner un excès de contrôle sur les événements. Tu veux le masque, l'aiguille, finalement, au bout de 5 minutes, on est toujours au même point. Vous connaissez tous ces situations. Donc, il faut être un petit peu directif parfois. Il y a des conséquences inattendues. En fait, quand les parents arrivent, il y a une sorte de contrat tacite qui s'établit entre eux, donc entre le médecin, l'IAD et nous. Nous prenons votre enfant en charge. Il y a du silence dans la salle. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On valorise le rôle de l'aide-soignante qui raccompagne. Elle a un rôle positif, elle a quelque chose de valorisant à faire en salle d'opération. Et en Belgique, finalement, à la fin, souvent, le chirurgien était là et c'est lui qui raccompagnait les parents. Donc on arrivait presque à boucler la boucle. Donc pour terminer, la présence parentale, ce n'est pas une panacée, ça ne marche pas à tous les coups. Elle doit être proposée, mais pas imposée. Elle est nécessaire pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Nous devons les détecter en consultation d'anesthésie. C'est une stratégie d'équipe centrée sur l'enfant à laquelle il faut préparer les parents et ça permet indirectement de valoriser les métiers du quartier opératoire. Voilà, en attendant la discussion tout à l'heure, je vous rappelle que si vous vous intéressez à l'anesthésie des enfants, il y a le congrès de la PERF fin mars à Montpellier. Merci pour votre attention. Ce topo à la fois scientifique et aussi surtout pratique, puisque, comme tu l'as bien dit, il y a des données scientifiques, mais qu'on peut, on va dire, interpréter et puis adapter à notre vie pratique de tous les jours. Et donc, je vous propose de laisser la parole à Karine Nouette, qui va nous dire finalement pourquoi ne pas imposer, ou en tout cas, la présence parentale à l'induction. Et je vous propose donc poser vos questions sur les différents réseaux sociaux. Et nous y répondrons donc à la fin du topo de Karine. Karine, à toi. Merci beaucoup. Donc, nous avons eu la chance d'avoir le témoignage de Francis, qui a une grande expertise concernant la présence des parents au bloc opératoire. Mais comme vous avez répondu au questionnaire, nous sommes nombreux à dire non. Non, ce n'est pas possible pour tous. Parce que, d'abord, il faut donner un sens à ce que l'on fait. Et la question qu'on se pose tous, mais pourquoi on va proposer aux parents d'assister à l'induction de l'anesthésie? L'anxiété des enfants, l'induction, on va y revenir, Francis l'a abordé. Est-ce que c'est pour mettre en place une voie veineuse périphérique pour une induction intraveineuse? Est-ce que c'est pertinent comme question? Est-ce que c'est plutôt le jeu? Est-ce que ça permet de gagner du temps dans les programmes opératoires? Est-ce que c'est une prévention de l'angoisse et de la séparation? Alors si notre objectif est de prévenir uniquement l'anxiété des enfants à l'induction, dans cette méta-analyse de 2015, il y avait eu 5 études, mais vous voyez un petit peu, les paramètres d'évaluation sont très divers, et donc il y avait 500 enfants, et globalement, non, c'est pas la cible. On ne montrera pas une diminution de l'anxiété des enfants, une diminution de l'anxiété par le simple fait qu'il y ait les parents. Donc ce n'est pas la cible que nous devons nous fixer, parce que l'anxiété, en fait, c'est un phénomène qui est très complexe. Ce travail de Soi et d'Amani à Paris, elle avait montré que les enfants développaient une anxiété à l'induction à cause de plusieurs facteurs, et notamment l'âge. Les enfants de plus de 10 ans vont développer une anxiété à l'induction. Les patients hospitalisés, mais également les enfants qui vont sortir de la consultation d'anesthésie avec une anxiété.
Et cette anxiété qui est relevée à la sortie de la consultation pré-anesthésique, elle est très influencée par deux facteurs. Déjà la personnalité de l'enfant, mais également la personnalité des parents. Et donc, cette étude qui est menée en France sur une centaine d'enfants montre combien l'anxiété à l'induction de l'enfant est très compliquée. Donc, imaginez que le fait simple d'avoir que les parents à l'induction soit une solution est bien utopique. Alors, l'angoisse de la séparation. Bon, c'est sûr que si les enfants restent avec leurs parents, il n'y a plus de séparation. Mais globalement, dans leur journée, à l'extérieur du bloc opératoire, il y a bien d'autres séparations qu'ils vivent, comme à la crèche. Et c'est probablement pas non plus le endpoint qu'on doit se fixer. Et cette méta-analyse que l'angoisse, elle marche, enfin elle est prévenue si l'enfant reste, bien sûr, avec ses parents, mais ça ne modifie pas l'angoisse à l'induction. Alors, est-ce que les parents vont avoir un bénéfice, la présence est un bénéfice pour l'équipe d'anesthésie lors de la pose de la voie veineuse périphérique? Ça n'a de sens que si l'enfant va bénéficier d'une induction par voie intraveineuse. Et comme vous le voyez sur ce travail, les enfants qui vont bénéficier d'une induction par voie intraveineuse sont des enfants qui sont plutôt grands, qui ont plus de 2 ans, plus de 12 ans, plus de... Donc, globalement, ce n'est pas vraiment pour cela qu'on se pose la question de faire entrer les parents. C'est plutôt, on imagine souvent dans notre pratique, de les faire entrer pour des plus petits, pour pas qu'il y ait cette angoisse de la séparation. Or, les plus petits, dans notre pratique d'anesthésie, on a plus souvent des inductions inhalées. Donc, probablement que la voie veineuse périphérique, si elle devait être un bénéfice pour nos équipes, il faudrait que ça soit appliqué pour des enfants qui sont plutôt grands. Donc, probablement qu'une des solutions, si on doit faire entrer les parents, c'est les entraîner dans un jeu, dans une distraction. Et un des plus vieux, des plus vieilles distractions que nous avons, c'est les clowns à l'hôpital. Et ce travail du BMJ publié en décembre 2020 faisait l'état de 24 études incluant à peu près 1600 enfants. Il y avait des études, 13 essais randomisés, 11 non randomisés. Il y avait comme intervention parents d'un côté standard comparé avec des clowns hospitaliers. Et on montrait que la mise en scène des clowns à l'hôpital permettait de diminuer l'anxiété mais également la douleur des enfants au moment de l'induction et également leur stress. Alors bien sûr qu'il y avait des biais, mais si on veut être un peu provoque, est-ce que les clowns font mieux que les parents à l'induction de l'anesthésie? Eh bien oui, et oui, ils font mieux. Alors bien sûr, c'est une petite méta-analyse avec des biais qui sont juste majeurs, mais bon, pour être un peu provoque, en fait, ce qui est important pour l'enfant, c'est de rentrer dans un jeu, et probablement que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place dans nos équipes, et qui est compliqué parce que l'induction d'un enfant, c'est un peu un moment anxiogène. Et arriver à gérer ce stress dans une dynamique de jeu, c'est probablement ça qui nous fait peur. Alors, le clown, ça, c'était pour hier. Aujourd'hui, on a des choses beaucoup plus modernes, comme la réalité virtuelle que vous a montré Francis. Et c'est vrai que les enfants sont un peu comme dans un tunnel. Ils ont leur casque et quand ça marche, là, c'était 71 enfants. Le T0, c'était un moment de mettre le casque, après une fois qu'ils sont entrés au bloc et T2 avant l'induction, ben en fait, ces 30 enfants qui avaient bénéficié de la réalité virtuelle, en fait, le groupe était beaucoup plus petit et les enfants sont restés dans leur tunnel de réalité virtuelle et ils n'ont pas vu ce qui se passait à l'extérieur. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il est toujours qu'au moment de l'induction par inhalation, il n'y a pas eu relevé par les équipes d'anxiété. Est-ce que c'est un gain de temps d'avoir les parents au bloc opératoire? Là, c'est un paramètre qui n'a pas été très bien évalué. Globalement, il est difficile de montrer qu'il y aura un gain de temps et ce n'est probablement pas le challenge. Donc en fait, la présence des parents à l'induction, on a tous compris, hein, il faut que ça soit dans une dynamique de jeu. Ça ne peut pas être à visée anxiolytique uniquement. Il faut que l'objectif soit le jeu par la distraction, quel que soit le moyen, et les parents peuvent faire partie de ces moyens, mais ils ne sont pas inévitables. On peut faire avec eux, mais on peut faire sans eux. Si jamais on doit faire avec eux, pourquoi on a du stress à travailler avec par
avec ses parents, mais parce qu'en fait, probablement que tous les parents ne sont pas éligibles et puis sont en attente d'informations. Aujourd'hui, avec Internet, il y a plein d'informations qui leur sont disponibles et ils attendent des informations et il faut les préparer. Alors déjà, quand on leur pose la question, c'était un travail qui avait été fait aux États-Unis, et souhaitez-vous accompagner votre enfant au bloc opératoire pour l'induction ? Les parents, selon leur culture, selon leur langue maternelle, selon leur éducation, leur âge également, parfois il y en a certains qui disent ben non. Dans ce travail, il y en avait 60% qui disaient ben moi, je veux bien aller avec mes enfants. Il y en avait 40% sur la première ligne qui disent ben non, moi je ne suis pas. Je vais y aller, mais en reculant ou je ne veux pas y aller. Donc, ce qui est important déjà, c'est que laisser le libre choix aux parents. Et puis, les parents ont une influence sur l'enfant, on le voit tous. Certains parents sont sereins, ils sont en confiance, il y a une bonne relation entre les parents et l'enfant, et globalement, cette synergie va être positive, et donc l'effet sera positif, et on aura un coping avec l'équipe d'anesthésie, tout se passera bien. Mais ce n'est pas toujours le cas, et certains parents ont des sensibilités qui vont être différentes, une co-régulation émotionnelle entre l'enfant et le parent qui risque d'entraîner l'enfant dans un bad trip, dans un stress. Et parfois, les parents également vivent comme une blessure le fait que l'enfant soit malade. Et cette blessure va avoir un effet péjoratif sur l'enfant. Donc, tous les parents ne sont probablement pas éligibles et à nous de les accompagner pour les rendre éligibles si c'est possible. Comment ça peut se manifester sur le plan somatique? Ce travail avait été fait sur une trentaine de couples mère-enfant et il avait été regardé la variabilité de la fréquence cardiaque de la mère la nuit préopératoire et juste avant l'induction de l'anesthésie. Et chez les mamans qui avaient une grosse variabilité du ratio basse fréquence, haute fréquence, qui étaient témoins d'un stress, en fait, chez ces mamans qui étaient stressées au moment de l'induction, de façon très curieuse, étaient associées des réveils très agités des enfants en post-opératoire. Donc oui, il y a des collaborations émotionnelles entre la maman et l'enfant. Et si on doit travailler avec les mamans au bloc opératoire, il faut intégrer cette grandeur. Puis les parents aujourd'hui, ils sont très, très en attente d'informations. Qu'est-ce qu'ils veulent? Dans ce travail, une centaine de parents avaient été interrogés. Ils veulent que le clinicien leur parle de la relation entre les parents et le médecin. Ils ont besoin que leurs problèmes émotionnels, leur expérience émotionnelle soient comprises par les soignants. Et également, ils veulent tout savoir sur le process périopératoire de leur enfant. Donc, vous voyez, leur parler d'eux-mêmes, de la relation patient-médecin, de la relation du processus, du parcours de soins. Quand on a 20 minutes pour voir un patient en consultation pré-anesthésique, ça demande une grosse, grosse organisation. Et le problème, c'est que ces parents sont en attente de ces informations. Et si on ne leur donne pas, ils iront les chercher sur Internet avec des filtres plus ou moins pertinents, ce qui peut être un stress. Est-ce qu'on peut faire une approche cheap, c'est-à-dire une simple visite au bloc opératoire? Dans ce travail, il y avait 244 patients éligibles entre 3 ans et 12 ans. Mais en fait, sur les 244 patients, il n'y en a que 62 parents qui ont accepté que leurs enfants soient randomisés. Donc beaucoup, beaucoup de refus. Et dans ce travail, le protocole était simple. Il y avait une évaluation du stress au moment à l'attente, au niveau du sas d'attente, à l'arrivée au bloc opératoire, au moment de l'induction et quand les enfants sortaient. Les parents étaient évalués avant et après le bloc opératoire et les enfants étaient évalués aux différents temps. En fait, si on fait une simple visite du bloc opératoire, ça ne suffit pas. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de donner une information un peu cheap. Il faut falloir aller investir cette information pour les accompagner et les accompagner dans ce domaine du jeu. Parce qu'en fait, le secret, lorsqu'on travaille, vous le savez tous, à l'hôpital des enfants, c'est au jeu. Les enfants, avec le jeu, on peut passer sur tout. On peut aborder les procédures, les diagnostics, les tests, l'éducation, l'adaptation de l'enfant. Et quand on est sur l'induction de l'anesthésie, on est plutôt sur les cercles rouges, c'est-à-dire les traitements, la récupération. Et là, nos outils, il y a les parents, mais il y a la danse. Qui n'a pas dansé aujourd'hui au bloc opératoire sur délivrer
On a tous dansé, on a tous joué, on est devenus des pros avec nos téléphones, là, trop, tout ça, on est à fond sur ces choses-là. Eh bien oui, il va falloir, si les parents viennent, il va falloir dédramatiser le système, il va falloir leur faire comprendre qu'avec nous, il va falloir qu'ils jouent, et c'est vrai que parfois, pour nous, ces étapes sont compliquées. Alors, faut-il aller sur des choses super compliquées, les robots Nao, les robots Cléo, les gaming, les applications super personnalisées qui coûtent un petit peu cher? Soyons simples. Pour le moment, nos data, nos blabla, faisons les études, mais contentons-nous déjà d'outils beaucoup plus simples. Mais ce qu'il faut que nous soyons aussi vigilants, c'est sur la relation entre les parents et les soignants. Parce que faire entrer un parent dans le bloc opératoire, c'est avoir le regard de l'étranger dans notre quotidien. Est-ce que ça a des conséquences sur la dynamique de l'équipe? Est-ce que ça a des conséquences sur la sécurité? En fait, sur le plan organisationnel, il va falloir être organisé, c'est-à-dire que les parents, des vestiaires, des équipements individuels, des contraintes, une éducation. Et puis, il va falloir du personnel dédié, parce que nous, quand nous sommes au bloc opératoire sur une induction d'anesthésie, il faut qu'il y ait du personnel qui soit entraîné. Donc des effectifs adaptés et surtout une équipe sereine et sans conflit. Et puis, il y a certains blocs qui vont s'y prêter. Les nouveaux blocs, probablement, devraient être dans le cahier des charges. Mais comme nous, on a un vieux bloc, le parcours du papa ou de la maman au bloc opératoire pour aller à la salle, ce n'est pas simple. Alors, comment nous devons nous déplacer? Et puis aussi, les salles de réveil sont parfois un peu petites, ou les salles d'induction, les salles d'attente. Alors, quelle est l'intimité? Parfois, ce n'est pas simple. Et puis, il y a surtout ce qui, probablement, nous soignants, et peut être un frein, c'est l'intégration, c'est la sécurité des soins. En fait, le parent qui va rentrer dans notre bloc opératoire, dans notre équipe, dans notre lieu de travail, c'est un regard étranger. Il observe ma pratique. C'est un étranger dans mon environnement de soins, familier, et c'est un environnement qui, au moment de l'induction, est un environnement à fort potentiel de stress. Et quand je ne fais pas souvent de la pédiatrie, je ne suis pas à l'aise avec les enfants déjà, alors si en plus j'en ai un qui me juge, ça c'est un vrai frein. Donc, en bref, pas de parents à tout prix. Pourquoi? Non. Pas de parents à tout prix, parce que si on ne peut pas intégrer l'induction dans un jeu, dans le bien vivre au bloc opératoire, dans une influence positive, non, il ne faut pas faire. Probablement qu'il ne faut pas faire. Si, est-ce que c'est pour tous les enfants et pour tous les parents? Probablement pas. On ne peut le faire que s'il y a une stratégie centrée sur l'enfant, dans une ambiance ludique et décontractée. Il faut que ça soit une démarche volontaire, le libre arbitre, le libre choix des parents, que l'ambiance elle soit sereine, bienveillante, mais si on ne peut pas l'assurer, il vaut mieux pas qu'il soit avec nous. On a d'autres moyens. Et puis, est-ce que c'est vrai dans toutes les équipes? Non, il ne faut pas le faire seul contre tous. Il faut que ce soit des projets structurants dans une équipe entraînée. Il faut que l'accueil des parents soit fluide, simplifié. Et si on ne peut pas proposer ça aux parents, probablement qu'on ne doit pas avoir des parents à tout prix à l'induction. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine, pour la partie pas forcément des parents à tout prix. Je crois qu'on a bien compris, et j'ai l'impression, en vous écoutant quand même tous les deux, que déjà, il y a plusieurs messages à faire passer. D'une part, finalement, l'anxiété de l'enfant, on l'a bien compris, mais je pense que c'est important de le répéter, c'est très complexe et c'est multifactoriel, et que probablement on peut jouer sur plusieurs plans et avoir plusieurs stratégies qu'il faut s'adapter à l'enfant, aux parents. Donc du coup là, il y a plusieurs questions qui arrivent en fonction finalement de l'objectif de cette présence parentale ou pas. Notamment, il y a des questions un peu, on va dire, assez simples, mais est-ce qu'une bonne prémédication, là je me tourne vers toi Francis, pour essayer de contrecarrer cette question, est-ce que finalement une bonne prémédication pharmacologique ne peut pas justement diminuer cette fameuse anxiété de séparation? Et puis il y a quand même certaines études qui montrent que la prémédication pharmacologique diminuer, en tout cas faciliter l'adaptation, l'acceptation du masque. Est-ce que finalement prémédiquer les enfants, ce n'est pas une solution? C'est pour ça que j'ai proposé dans les alternatives, avec d'un côté la pharmaco, de l'autre côté l'hypnose, qui sont, c'est les deux extrêmes de l'éventail. C'est sûr qu'on peut faire ça.
Mais là aussi, je pense que le même costume ne va pas à tout le monde. On ne peut pas donner la même prémédication à tous les enfants. Il y en a que ça ira mieux avec l'hypnovel, il y en a d'autres qui seraient peut-être mieux avec la clonidine. Donc là, il faut aussi passer un peu de temps en consultation anesthésie en disant Il faut aussi savoir qu'il y a des études un peu contradictoires avec le midazolam en disant ça agit surtout sur la mémoire consciente, mais la mémoire inconsciente reste, et donc ça pourrait être à l'origine de troubles du comportement post-opératoire. C'est controversé, c'est très compliqué à étudier, mais donc il n'y a rien qui est parfait. Mais plutôt que d'avoir un enfant sur lequel qu'il faut tenir à quatre à l'induction, oui. Si on n'a pas les moyens d'accueillir les parents, faisons quelque chose pour que ce soit le moins perturbant possible pour l'enfant et pour l'équipe aussi, parce qu'à vous, on ne se sent pas bien quand on doit forcer un enfant. Ouais. Et peut-on justement associer ces deux stratégies, c'est-à-dire on décide de prémédiquer avec un médicament l'enfant et que finalement aussi on décide de faire entrer les parents. Est-ce qu'on peut associer ces deux stratégies pour essayer justement que ça se passe au mieux? On peut faire ça. Et c'était Zefkin, je crois, qui a publié ça il y a une quinzaine d'années. Il avait fait trois groupes, parents, hypnovel et parents et hypnovel. Et il se trouvait que c'est ceux qui avaient les parents et hypnovel qui marchaient le mieux, sans doute aussi parce que les parents étaient moins anxieux, parce qu'ils voyaient que leur enfant était calme. Donc il y avait une sorte de cercle vertueux qui se mettait en place. Donc ce n'est pas exclusif. D'accord. Il y a une question justement sur les indications et une question, on va dire, posée aux sociétés savantes. Est-ce que justement, comme tu l'expliquais, Karine, pas de parents à tout prix. Il y a des parents qui ne sont pas, on va dire, aptes à rentrer dans un bloc, à nous aider, puisque c'est vraiment une aide qu'on demande aux parents pour que l'induction se passe au mieux. Est-ce que tu crois que les sociétés savantes peuvent essayer de poser, on va dire, des règles, ou en tout cas de définir des indications, alors soit, on va dire, de situation par rapport aux parents, par rapport au bloc? Est-ce que tu crois qu'on pourrait arriver à des recommandations? Parce que justement, vous parliez d'ailleurs tous les deux des conséquences qui peuvent y avoir, notamment des conséquences négatives sur des chutes. Quelle est notre responsabilité si jamais il y a un accident avec un parent, ou si jamais il y a une induction qui se passe mal aussi, malgré la présence des parents, puisque malheureusement, on le sait tous, que même si on a bien prémédiqué, si on a bien joué, parfois l'induction est compliquée et qu'un parent, du coup, l'expérience peut être extrêmement négative. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un cadre, on va dire, scientifique à cette stratégie? Alors, sur le scientifique dur, on a bien vu que toutes les études qu'on a regardées les uns et les autres, c'est maigre, les biais sont majeurs, la qualité est pas super. Donc, on va souvent, si on doit faire des recommandations, ça va être souvent des recommandations d'experts. Et en ce moment, on a une RFE qui est en place sur quelle structure sur l'organisation des enfants. Et il faudra peut-être qu'on regarde si ce point est abordé, voir la pertinence peut-être de l'insérer dans ce groupe de travail, cette question. Je ne suis pas sûre que je ne l'ai pas en tête. Donc c'est peut-être, comme le travail est en cours, c'est peut-être le moment de se poser la question. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est la place des sociétés savantes, c'est sur l'information au public, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a très peu de filtres sur Internet, et parfois il y a des informations qui sont pertinentes, parfois elles sont un petit peu moins utiles, on va dire. Et la place des sociétés savantes, c'est de donner de l'information au grand public, et c'est la SFAR a tout un onglet sur ce thème-là, l'information au grand public. Et je pense que la société a toute sa place sur l'information policée et les bonnes pratiques. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un travail d'information des parents. Et je pense que s'il y a un site officiel, bien construit avec des professionnels, y compris des psychologues, tout ça pour ne pas faire des boulettes. Mais je crois que pour des RFE, il faut donner une obligation d'objectifs et pas de moyens. Voilà. Parce qu'on a tous des contraintes. Des contraintes architecturales, d'équipe, de machin, qui fait qu'il ne faut pas donner des objectifs qu'on ne peut pas tenir. Et de dire, voilà, ça doit être une priorité dans une équipe, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux pour les enfants, ça c'est l'important. Après, que ce soit les clowns, les voitures ou les parents, c'est moi.
Oui, je pense que le message important, c'est finalement, comme on le fait tous dans n'importe quelle discipline de l'anesthésie-réanimation, c'est une approche personnalisée. Ouais. Et justement, les questions, finalement, comment, Karine ou Francis, comment vous arrivez à screener? Alors, je pense que, comme vous l'avez bien dit, ça commence dès la consultation d'anesthésie avec une information sur la présence ou pas des parents, puisqu'il faut parfois aussi dire non, les parents ne peuvent pas rentrer au bloc. Est-ce que vous avez des moyens, des échelles pour essayer de screener justement à la fois les parents qui peuvent ou qui ne peuvent pas et les enfants qui en ont besoin ou pas? Il y a des échelles qui ont été faites, mais honnêtement, en 10 minutes, un quart d'heure, on n'a pas le temps. Non. Et les gens, parfois, ne sont pas les mêmes à la consultation où ils savent bien qu'on va juste discuter et le matin de l'induction où c'est là que ça se passe. Donc, c'est un peu au pifomètre, quoi. Je pense que le challenge, s'il devait y en avoir un, c'est pas de sélectionner les patients, c'est plutôt d'entraîner nos équipes. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que le secret de succès, c'est en fait l'entraînement de l'équipe. Du moment où on va avoir une équipe entraînée à cette prise en charge, ça veut dire entraînée, prête aux échecs, prête aux effets secondaires, avec une dynamique et tout le monde se sent concerné. Et là, il n'y aura plus besoin de screener les parents puisque l'équipe aura cette dynamique. Mais le plus dur aujourd'hui, je crois, c'est de mettre nos équipes dans cette dynamique pour X raisons qu'on a vues, quoi. Et je crois que le challenge, il est plus sur nos équipes et les entraîner dans cette dynamique plutôt que les patients. Alors après, on a tous eu des enfants qu'on a vus 3-4 fois. On sait que ceux-là, ils sont compliqués parce qu'on en a bavé 2 ou 3 fois. Et ceux-là, on se dit, bon, la prochaine fois, il faut qu'on fasse différemment. Donc ceux-là, on a pas, voilà, sur nos dossiers d'informatisés, on les reconnaît. Les maladies dont tu as parlé, on les reconnaît. Mais aller plus loin dans le screening patient, c'est compliqué. Par contre, oui, entraîner nos équipes, là, moi, je crois plus à cette solution. Oui, mais en tout cas, au moins une première étape pour... D'abord, c'est un travail d'équipe et c'est vrai que ça permet aussi de solidariser une équipe, que ce soit le personnel médical ou paramédical. Et je pense que c'est vrai que c'est important parce que, en plus, si le parent voit qu'il y a un travail d'équipe qui vraiment centralise l'enfant, ils savent qu'on va le bien prendre en charge. Donc là, les parents vont être satisfaits. D'ailleurs, finalement, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire que si on décide que le parent ne doit pas rentrer, cette information de la prise en charge de l'enfant est très importante. Alors moi, j'avais du coup une question pour toi, Karine. Si l'induction, tu ne fais pas rentrer un parent en salle, est-ce que tu crois que ça peut être quand même une technique, une stratégie de sauvetage? C'est-à-dire que finalement, un enfant de 6-7 ans, c'est compliqué. Comme tu disais, Francis, à un moment, il faut arrêter de négocier. Mais est-ce que ça peut être une stratégie de sauvetage? C'est-à-dire finalement, bon, finalement, OK, ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche, le jeu, les clowns, etc. Je fais rentrer le parent en sauvetage, quoi. C'est une stratégie de sauvetage pour justement essayer d'éviter une induction houleuse. C'est difficile de savoir à l'avance si on connaît pas la relation entre l'enfant et le parent. Je crois que la situation qu'on devrait éviter, c'est que le parent fasse corps avec nous contre l'enfant. Ça, je crois qu'il faut pas. Il serait maladroit de notre part d'arriver à cette situation, c'est-à-dire faire entrer un parent pour nous aider à faire quelque chose et donc qui se retrouve en face de l'enfant. Ça, je pense qu'on n'y sortirait pas grandi ni les uns ni les autres. En revanche, pour calmer l'enfant et qu'après on ait à prendre tout ce binôme la stratégie, on prenne en charge le binôme, dans tous les cas, si on doit faire probablement c'est comme ça. Hein, c'est vraiment, si le parent rentre, c'est pour renforcer le binôme enfant-parent et nous, on prendra en charge ce binôme-là. Mais en aucun cas, faire entrer un parent pour nous aider à nous à aller pour maîtriser un enfant. Il n'y a pas grand-chose comme dans la littérature, mais c'est moi, ça. Dans ce cas-là, je dirais, on reprend l'enfant en dehors. Voilà. On le remet avec ses parents. On discute avec les parents pour expliquer le contexte. On les laisse un peu souffler. À la limite, on prévoit une prémédication. Mmh. On a... Tout à fait. Mais laisser... Parce qu'il ne faut pas que les parents deviennent nos complices. Non. Et en plus, on leur met un peu le couteau sur la gorge. Hein. Non. Vous voulez, sinon, on n'endort pas votre enfant. Non, pas non. Sympa. Et sinon, ça va mal se passer. Donc dire, voilà, on a un souci, on va essayer de faire mieux,
On vous remet ensemble, on fait un autre qu'avant. Enfin, voilà, se débrouille. Et on va donner un petit quelque chose pour que ça se passe mieux. Et puis on propose que vous veniez avec. Peut-être qu'ils ne voudront pas. Mais comme ça, on souffre, ils voient qu'on se préoccupe de l'état psychologique de leur enfant, qu'on n'est pas juste là des pousseringues ou des appliques-masques qu'on a. On intègre le bilan, on a une approche globale et puis on essaye de les inclure. Pas de place à l'improvisation également, parce que finalement de faire rentrer un des deux parents en disant bon allez, ça marche pas, on va vite faire rentrer, si on a une équipe entraînée, c'est toujours une sorte d'improvisation et c'est là où de toute façon ça va pas marcher. On a également donc d'autres questions finalement sur le bloc opératoire. Là, on parle du bloc opératoire, mais finalement on a l'IRM, c'est hors bloc. Oui. Ça reste quand même une induction. Est-ce qu'il y a des données sur justement la place des parents, finalement, en dehors du bloc, mais pour une induction anesthésique ? L'IRM, il y a... Non, mais je pense que c'est une bonne école. L'IRM est un bon un milieu. On n'a pas les contraintes de stérilité. On a des distances qui sont assez courtes. Les équipes sont plus petites. Et donc, c'est peut-être un bon endroit pour s'entraîner à ça. Et alors, en dehors aussi de la situation qu'on connaît dans un centre qui fait que de l'anesthésie, comment intégrer la présence des parents dans un bloc, on va dire, général, qui mélange enfants et adultes dans la même structure? Parce que ça, c'est pas non plus très simple, puisque les parents peuvent voir des enfants partir sans parents, des adultes, enfin voilà, comment... Peut-on, et comme tu le disais, peut-être que quand on ne fait pas beaucoup d'anesthésie pédiatrique, déjà, bon, effectivement, on n'est pas forcément à l'aise et de voir quelqu'un qui nous regarde, mais c'est aussi de faire rentrer ce parent dans une structure, on va dire, mixte adulte-enfant. Mais je pense déjà dans la charte de l'enfant hospitalisé, même si on est une structure sans mixte, il doit y avoir un parcours enfant individualisé, et ça, c'est déjà une protection et pour les enfants et pour nous soignants, déjà. Et puis... Je pense que la stratégie de l'entrée de l'accompagnement, parce que dans les adultes, on a aussi des accompagnants qui rentrent sur les autistes, les trisomiques, sur certaines pathologies, on a des adultes qui rentrent. Je pense que alors c'est pas prêt pour des raisons d'hygiène, nos équipes ne sont pas assez renforcées pour ça, mais ça ne s'improvise pas et ça se travaille. Et je pense que il faut l'entraîner. C'est la même dynamique, quoi. Mais ça, à mon avis, ça ne peut se faire que sur des volumes de pédiatrie assez importants. C'est ce que montre l'étude Apricot, puisque là, en fait, rentrer les parents au bloc, on a vu que c'est plutôt pour des plus grands. Nous, on imagine toujours pour des petits. Oui, tout à fait. Mais en fait, les études, elles suggèrent quand même sur les plus de 2 ans, les plus de 5 ans. Et donc, c'est pour les plus grands. Et on est donc sur la tranche Apricot. Et Apricot montre que la morbimortalité périopératoire, elle est quand même liée à l'expertise également du senior qui fait de la pédiatrie, qui est en ressources. Donc, ça se fait, mais il faut qu'il y ait une... Voilà, si on ne fait pas souvent de la pédiatrie et qu'en plus, on se met des contraintes parce qu'on n'est pas habitué, au bout d'un moment, je pense qu'il faut éviter de se charger trop le stress sur nous. Mais si on en fait régulièrement, il faut, à mon avis, la solution, c'est probablement d'avoir cette dynamique d'ouverture des blocs et d'intégration des familles, pareil, parce qu'on le fait déjà pour des adultes. Il faut bien regarder le parcours. Ouais. Enfin, oui, c'est ça. Oui. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un hôpital mixte, et alors, quand on allait chez donc les enfants attendent devant la porte, ils n'attendent pas dans le quartier opératoire pour ne pas voir. Et puis, on va les chercher et on fait le parcours à l'envers. On vérifie que toutes les portes sont fermées, les petits volets fermés pour qu'on ne voit pas les gens avec les fesses à l'air, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a l'intimité des autres patients. Et puis, on arrive et. On ne court pas, mais ça va vite. Pour éviter tous ces trucs-là. Et puis on rentre en salle et quand la maman ou papa sort, la même chose, la personne qui accompagne fait bien attention. Et s'il voit une porte ouverte, elle va fermer la porte. Enfin, c'est une habitude, c'est un entraînement. Et ça s'acquiert assez facilement, mais c'est un état d'esprit. C'est sûr qu'il faut réfléchir avec la structure de notre propre bloc. Parce que c'est vrai, quand on parle des plus petits blocs, peut-être c'est un petit peu plus facile d'organiser la présence des parents, mais effectivement, à Lyon, on a un bloc de 10 salles.
on ne peut pas faire, je pense, rentrer tous les parents, justement, à 8h du matin toutes les inductions avec 10 parents dans les couloirs. Donc, c'est une structure. Et ça aussi qui est difficile quand on ne fait pas du systématique, c'est à la fois, parfois, il y a des parents qui vont voir un parent rentrer, alors qu'eux, ils ne vont pas rentrer. Donc, il faut aussi gérer ça. Alors, une question aussi qui vient, c'est comment, Francis, notamment, tu gères l'échec, parce que comme tu l'as parlé, il y a des conséquences négatives, donc il y a quand même des échecs avec à la fois l'enfant qui est très agité, une induction houleuse, et un parent, parce qu'il ne faut pas oublier le parent, qui a un comportement qui est peut-être inadapté. Donc le pire qu'on puisse voir, c'est le parent qui menace l'enfant. Mmh. Donc l'enfant est un peu agité, pleure un peu, enfin, ne veut pas masquer. Si tu fais ça, si tu fais pas ça, le docteur va te faire une piqûre. Alors, il faut stop. Mm. Il faut avoir le courage de dire, parce que c'est pas ça le truc. On n'est pas là pour aider le parent à gérer son stress. Non, 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 monsieur, c'est pas comme ça. Et ça m'est arrivé deux ou trois fois. C'est souvent avec les papas. Je sais pas pourquoi. Qui veulent montrer que leur enfant est bien élevé, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a moins d'empathie, sans doute. Et elle dit, non, 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 c'est pas comme ça, monsieur. Non, on va se débrouiller, ne vous inquiétez pas, et la piqûre ne sera pas une punition, c'est prévu comme ça. D'accord. Alors souvent, ils font un peu la tête, mais il faut... Oui, il faut quand même avoir un cadre. Je pense que chaque équipe qui souhaite faire rentrer les parents, il faut quand même qu'ils aient un cadre en tête, c'est-à-dire avec aussi des limites à ne pas dépasser, des comportements à ne pas accepter, mais du coup, ça, il faut savoir le gérer. Ce qui n'est pas forcément évident. C'est ça. Et alors avec les inductions inhalatoires, la petite vidéo, le bout de vidéo que je vous ai montré, enfin l'extrait de... Donc c'était la fille d'une infirmière qui faisait ça, qui faisait semblant. Et donc on lui a demandé, on a mis le masque et puis elle devait faire comme ça. Et elle l'a fait très bien. Et on explique dans le texte, vous allez avoir que vos enfants ont les yeux qui révulsent, vous avez des petits mouvements, c'est normal. Donc comme ça les parents ils arrivent et, ah ben oui, c'était dans la vidéo, on a dit que... Sinon, il y en a qui disent qu'il fait une crise d'épilepsie. Enfin, l'information. Il faut informer que tout ce qui est normal soit décrit pour que voilà, ça dédramatise les choses. Et est-ce qu'en Belgique, vous aviez mis en place une école des patients ou quelque chose comme ça? Parce qu'en fait, de tout ce qu'on a vu, c'est quand même la préparation du parent. C'est un peu l'éducation thérapeutique du parent. Qui doit être... C'est ça. En fait, il y avait une vidéo pour les enfants. Et c'était une petite fille qui courait, machin. Très ludique. Avec un vrai petit garçon qu'on endormait. Mais petit lutin, un peu comme Fifi Bernassier. Et alors, il y avait une autre pour les parents, très courte, qui était purement informative. Donc, bien sûr, ils pouvaient regarder la vidéo avec leurs enfants. Mais celle pour les parents, c'était que pour les parents. On leur disait bien, ça, c'est pour vous. Pour que ça se passe le mieux possible pour vous. Et ils comprenaient ça très bien. Et alors, ils pouvaient regarder encore avant d'entrer. Il y avait les bornes. Ça durait 3 minutes. Ouais, c'est ça. Mais il faut se mettre à la hauteur à la fois de l'enfant, mais aussi des parents. Et ça coûte pas cher, parce qu'on a fait ça un samedi matin avec le téléphone de l'infirmière. Oui, tout à fait. C'est ça. Il y a des articles comme ça qui commencent à sortir sur les applications modernes où il y a les recommandations, les parents. Et en fait, les articles qui montrent que les parents... regarde souvent les vidéos pour les enfants, parce que pour eux, c'est facile à comprendre. Et après, ils vont voir leur propre vidéo pour eux. Mais bon, tout ça, c'est aujourd'hui très commercial quand même. Mais peut-être que c'est quelque chose qui pourra être un compagnon demain. Oui, il faut développer probablement toutes ces stratégies d'information. Ouais. Mais ça pourrait être un bel objectif pour l'ASFAR et l'ADARPEF de faire un truc comme ça. Tout à fait. Une petite question sur ces situations un peu particulières sur l'anesthésie. Tu as parlé de l'anesthésie en urgence, mais parce qu'effectivement, quand on fait une induction à séquence rapide, on est nous-mêmes un petit peu plus probablement stressés, pas à l'aise, et que ce n'est pas des situations où on veut qu'un parent nous regarde, sans forcément qu'il nous juge, mais en tout cas qu'il nous regarde. Mais est-ce que justement, ce n'est pas dans ces situations où on sait que l'urgence... puisque la consultation d'anesthésie se fait dans le sas, que c'est une situation urgente, que c'était absolument pas programmé. Donc là, finalement, le niveau d'anxiété est beaucoup plus important. Est-ce que c'est pas là où il faudrait justement, en tout cas, s'organiser pour qu'un des parents puisse rentrer en salle? Ça dépend. Dans mon expérience, il y a le bras cassé, enfin bon, c'est ça. Mais le gros, le vrai estomac plein, tout ça, souvent, si on explique aux parents, on leur dit voilà...
D'habitude, on fait rentrer les parents, mais pour votre enfant, il vaut mieux qu'on se concentre vraiment bien sur lui. Et donc, on a un peu peur que votre présence nous distrait, nous défocalise des soins qu'on donne. Donc, ce serait mieux que vous restiez là. On va venir vous donner des nouvelles, ne vous inquiétez pas. On s'en occupe bien. Et ils acceptent tout à fait. Même ceux qui sont déjà venus avant avec leur enfant, avec enfant et qu'on comprenne que dans le contexte de l'urgence, on est à 2h du matin, il n'y a qu'une infirmière. Enfin, on ne va pas se priver de l'infirmière au plein milieu de l'induction. Là, il faut rester pour avoir du bon sens. Donc, pas de parents à tout prix, comme c'était un petit peu ta conclusion, Karine. Non, mais je pense qu'il faut vraiment s'adapter à chaque situation. Une question, justement, cette situation un peu particulière d'une internaute, c'est la présence des parents en salle de réveil. Alors, certes, on n'est pas à l'induction, mais quand même, on fait rentrer un des deux parents au bloc opératoire, hein, puisque la salle de réveil se trouve au bloc opératoire. Est-ce que là aussi, il y a autant de controverses, autant de stratégies différentes, ou finalement, vous êtes un petit peu d'accord Je crois que dans la littérature, en fait, il y a deux stratégies. C'est soit un réveil en salle de réveil, soit un réveil au bloc opératoire. Si on réveille au bloc opératoire, l'enfant arrive parfaitement réveillé en salle de réveil. Et là, le parent peut être accueilli sous réserve. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est le respect de l'intimité. C'est ça l'obstacle. Ça, c'est vraiment le point qui est... Parce que sur les unités que pédiatriques, il faut qu'il y ait quand même... parfois, les salles de réveil, comme c'est des petits lits, c'est les proximités. Donc là, les parents, il y a un vrai problème d'intimité. Et quand c'est mixte, alors là, c'est en général un coin enfant, un coin... Mais respecter l'intimité. Après, si on réveille en salle de réveil... Dans la littérature, il y a certains parents qui dans les témoignages, veulent arriver dès que l'enfant ouvre les yeux, ce qui pharmacologique n'a pas de sens, hein, puisque pharmacologiquement, il y a quand même une élimination progressive des produits, et puis il y a quand même tous les risques de morbidité liés au réveil à cette phase-là. Donc en général, dans la littérature, ce que l'on voit, c'est que les parents y rentrent une fois que le contrôle des voies aériennes est fait, que tous ces bronchospasmes, laryngospasmes sont éloignés et que l'enfant est bien réveillé, voilà, et que la les queues de produits s'éliminent tranquillement. Enfin, moi, c'est ce que... Je pense qu'il ne faut pas laisser les parents assister à l'extubation de leur enfant, même si ça se fait en rien. Oui. Non. Et le problème qu'il y a parfois, donc il y a les adultes, les enfants, il faut faire attention, parce que les enfants qui crient, ça énerve et puis quand ils voient des petits vieux qui sont un petit peu agités, ça peut les traumatiser aussi, donc il faut bien séparer. Et il faut aussi, les IAD vous savent bien, mais si on a un souci avec un enfant, il faut penser qu'il y a d'autres parents avec leurs enfants. Donc il faut mettre des draps, enfin il faut à la limite appeler quelqu'un qui fera sortir en disant on doit s'occuper d'un enfant là si vous voulez bien. Et les parents comprennent très bien, mais il ne faut pas qu'ils soient tous là à regarder parce que ça c'est traumatisant pour tout le monde et ça ne rapporte rien quoi. D'accord. Et ça fait partie des inconvénients. Il faut aussi avoir un brancard prêt si une maman tombe dans les pommes. Ou un papa, ça arrive. Il faut anticiper ça. Des chaises plutôt que des tabourets. C'est ça. Très bien, alors une dernière question pour, on va dire, clore cette controverse, et je m'adresse à tous les deux. Qu'est-ce que, toi, Karine, qu'est-ce qui te ferait changer d'avis pour justement la présence parentale, et à contrario, Francis, qu'est-ce qui te ferait dire non, là, vraiment, pas de parents à l'induction? Dans la vie de tous les jours, en clinique, pour dire oui aux parents, tous les parents, ça serait travailler avec une équipe qui soit hyper entraînée, que les médecins soient hyper entraînés, l'équipe paramédicale, les chirurgiens super entraînés, qui est vraiment une dynamique de groupe prête, inscrite dans cette dynamique-là. Et là, je ne vois pas pourquoi on le ferait pas. C'est vraiment ce qui est limitant aujourd'hui, c'est des équipes qui sont fragiles, qui bougent beaucoup, des locaux qui sont pas super adaptés, des contraintes. C'est plutôt organisationnel, moi. Mais si on avait on va avoir un nouveau bloc, j'espère qu'on pourra monter ce projet et avoir ce groupe autour de la famille. Je trouve. Penser maintenant à intégrer justement cette notion de trinôme, triangle, hein, de relationnel entre les parents, l'enfant. Et l'équipe, parce que l'équipe aussi est très importante. Pour moi, ce serait le parent avec lequel je ne peux pas communiquer.
que je ne peux pas informer. Donc, qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais, qui... C'est compliqué. Et on a pour lequel on n'a personne tout près qui peut servir d'interprète pour expliquer, parce que ça peut... Pour quelqu'un, je pense aux réfugiés et tout ça, qui parfois ne parlent pas nos langues, ça peut être très perturbant. On ne sait pas très bien s'ils ont compris qu'on allait opérer leur enfant. Et puis après, il y a des gens qui font des trucs. Ça peut être très mal vécu. On peut avoir des réactions tout à fait bizarres. Donc, si je ne suis pas sûr que les choses sont claires, je pense que c'est pour l'enfant à nouveau, c'est mieux que ce soit séparé. Et j'ai eu l'occasion l'autre jour de tester à Lille un système d'interprétariat par téléphone qui a super bien marché pour un enfant bulgare. Donc, ça existe. Il y a une centrale à Paris et c'est payant, bien sûr, mais c'est l'hôpital qui paye. Et donc, pour les langues rares comme ça, ils ont toute une liste de gens et ça passe par votre téléphone portable et ça a été tout à fait adéquat. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Oui, d'accord. Donc, finalement, et ça a remplacé les parents. Voilà. Donc, finalement, les mots-clés et le message, on veut en faire passer un, c'est information, communication, stratégie d'équipe. Oui. Ça, c'est très important. De rendre aussi les parents, si on décide de les faire entrer, vraiment proactifs, interactifs. C'est eux qui font des gestes, ne pas les obliger. Et je pense que c'est très important ce que tu as dit, Francis, ne pas les culpabiliser de ne pas être là. Parce qu'effectivement, souvent, on leur dit « vous pouvez rentrer » et bon, les parents, voilà, ils sont obligés de dire oui. Et, ils soient libres et voilà, de choisir. Voilà. Donc, effectivement, libres de choisir, mais il faut aussi que l'équipe soit libre de choisir. C'est-à-dire ne pas imposer à une équipe qui ne veut pas que les parents soient présents à organiser tout ça. Il faut vraiment que ça soit... Il ne faut pas l'improviser. Exactement. Eh bien, je vous remercie en tout cas à tous les deux pour vos superbes topos. Et je pense que ça aide beaucoup de personnes à justement déjà initier cette réflexion hein, sur la présence parentale. On a bien compris que ce n'est pas à tout prix, mais dans un sens ou dans un autre, qu'il faut savoir s'adapter. Donc, merci encore à tous les deux d'être venus. Et je suis ravie de vous recevoir en présentiel. Enfin, ça fait vraiment un plaisir. On sait que vous êtes derrière vos écrans, mais en tout cas... On est content de vous voir. Et donc, rendez-vous, les prochains rendez-vous de l'ASFAR, soyez nombreux. Donc, jeudi déjà, un webinaire live pour les paramédicaux hein, sur l'hémodynamique. Le 17 novembre, une journée sur la gestion des risques et la prochaine Actu TV SFAR. Donc, le 23 novembre, il y aura une thématique cardiovasculaire. Donc, on vous attend nombreux, comme d'habitude, pour tous ces rendez-vous dynamiques de l'ASFAR. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.